Impact du côté de l'Alliance des Bleus. Blue Alliance is full on with Impact and getting to know Robot 56-59. Alors, le Team Supreme de New York, comme vous pouvez voir, qui est en train de créer le chaos du côté de l'Alliance des Bleus. Pendant ce temps, du côté des Rouges, le magnifique Rikitic, positionné de Rimouski. Quel beau robot! Le Rikitic, vert et en lumière. Alors, on a des robots qui sont à pleine vitesse en ce moment sur le terrain. We're full speed with the robots on the field. Quite an exciting game. And the points are still climbing up slowly. Close to a minute to play. Red Alliance got a short advance by 36 against 23 for the Blue Alliance. Alors, qu'est-ce qui arrive du côté des Bleus? Le 51-79, les Sénateurs semblent être captifs dans la zone de chargement. Alors, si vous observez du côté de l'Alliance des Bleus, on a de la misère à bouger pour le 51-79, leur robot Aspiro, qui semble avoir été aspiré. Alors, 30 secondes à jouer, les robots doivent prendre une décision et malheureusement, je crois que ça y est pour l'aspiro des Sénateurs. Il ne bougera pas. Et du côté de l'Alliance des Rouges, le 39-88, Scarabeau, on s'attendait à un spectacle, mais lui aussi semble être pris près du cargo et ça n'empêchera pas le Rikitic de faire une ascension complète. Quelle partie, mesdames et messieurs! L'Alliance des Rouges, 60 points. La victoire, 15 points pour l'escalade pour chacune des alliances. Les points tempête ont aidé, mais c'est clairement les cargaisons de l'Alliance des Rouges qui aura fait la grosse différence.